Sébastien Pironi simplement qui m'a appelé, qui m'a dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir partager ces moments avec le 15 de France. Et moi j'étais content forcément hein, quand on est appelé pour faire des entraînements comme ça. On peut voir la qualité des entraînements, du staff et je trouve ça vachement enrichissant pour quelqu'un de mon âge, pour apprendre des autres. Et voilà, en plus ils nous ont bien intégrés dans les entraînements, ils nous communiquent beaucoup avec nous et ouais, c'est top. Comment j'ai su ça? En fait, c'était le match juste avant Toulouse où j'étais remplaçant et en fait, il est venu me voir juste avant le match pour me dire que je partais la semaine à Marcoussis m'entraîner avec le 15. Bon, ça m'a un peu surpris sur le coup, mais j'ai pensé plus au match et il m'a dit qu'on en parlerait après le match. Donc on en a parlé après le match, mais ouais, j'étais très surpris et très très content surtout de pouvoir venir ici. Cette démarche s'inscrit complètement dans la continuité, notamment sur la filière du haut niveau, puisque avec l'aide précieuse de Sébastien Pironi en charge de France Jeunes, nous avons identifié avant cette période internationale des jeunes joueurs à fort potentiel. Donc l'idée c'est que bien sûr ils se frottent aux meilleurs joueurs du 15 de France pour pouvoir acquérir un maximum d'expérience. Et en même temps, ça nous permet évidemment de les évaluer à très haute intensité. Ça fait 2-3 passes. Plus. J'étais pas stressé, mais j'appréhendais en fait comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire. Enfin, je me suis pas fait le stage 15 fois, mais bon, j'y ai pensé, oui, quand même, un peu la veille, surtout avant de venir. Après, une fois arrivé ici, ils sont pas méchants, ils sont gentils, c'est cool et ça s'est bien passé, donc là ça va mieux. Ouais. Un peu d'appréhension, c'est sûr, mais surtout de l'excitation, envie de bien faire, envie de se donner à fond. Et comme d'habitude, quand tout le monde nous a bien intégrés, ils savent qu'on est jeunes et qu'on a encore beaucoup à apprendre. Donc quand on fait des petites erreurs, ils nous reprennent, mais rien de méchant et ils communiquent beaucoup avec nous, c'est cool. C'est d'apprendre un max de trucs, de prendre du plaisir et de prendre du rythme. Là, je suis là vraiment pour kiffer, pour apprendre le plus de trucs possible. C'est un groupe assez jeune, donc ouais, y a des joueurs comme Louis Carbonel ou Arthur Vincent qui sont cool, qui sont très gentils, qui sont venus me parler, me questionner un peu, donc pour apprendre à me connaître. Donc ouais, c'était sympa de leur part, mais après, globalement, ils sont tous gentils. Ouais. Pour que ce système fonctionne, eh bien, on ne peut que se réjouir de l'accueil et de la relation que nous entretenons avec les directeurs des centres de formation qui sont extrêmement disponibles et qui, malgré un contexte et un calendrier surchargé, parviennent à nous libérer des joueurs à fort potentiel. Les boucliers, avancez un peu plus vite. Les boucliers, avancez un peu plus vite, s'il vous plaît.